What the chuck YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour le mode du tout gratos, en mode ratasse. Si cette vidéo t'a été utile, lâche-moi un maximum de pouces bleus. Ça me permet de mettre en avant la vidéo et ça m'encourage pour la suite pour te dénicher tous ces petits bons plans, des petites astuces et tout ce que tu pourras trouver sur ma chaîne. Si tu veux rejoindre la communauté TchackNoGeek, je te mets comme toujours sous toutes mes dernières vidéos. Je te laisse le lien du Discord en description. Tu vas pouvoir cliquer dessus et rejoindre la communauté. Encore une fois, donc Prime Gaming nous régale avec un pack gratuit. Jadis payant, bien entendu, comme toujours. D'ailleurs, j'ai une petite pensée à ceux qui ont acheté ce pack avant qu'il ne passe gratuit. Et ce dernier donc contient des skins d'armes, des cartes de visite animées comme à son habitude, des emblèmes animés comme assez souvent, hein, et des tokens qu'on collectionne pour les coups durs. Regarde-moi ça si c'est pas beau. Un skin qui ressemble à un mur plein de chefs-d'œuvre de Tiger, et l'autre qui visiblement a éliminé plus d'une team et en porte encore les affres et les traces du combat. La première donc est un fusil d'assaut en la personne de la Chimera, la bien nommée. D'ailleurs une arme que je joue très peu en ce moment, ça va peut-être inciter donc à la rejouer. Et le sniper lui-même est le Victus. Voilà, hein, les emblèmes donc quant à eux sont animés. Bon, ce sont des emblèmes animés classiques. Hein. On va pas se plaindre, hein, comme je dis toujours, tu le sais très bien, hein, c'est gratos, on adore. Et ensuite donc bah, les cartes de visite, voilà, bah, tu connais, hein, on ne trouve jamais où elles se trouvent, bordel. Et si tu n'as pas donc Amazon Prime, on m'a indiqué la dernière fois dans les commentaires qu'on ne pouvait plus récupérer en version DC Prime. Bon téléchargement et what the check, bro.